Salut à tous, c'est Bord 1348. On se retrouve pour l'étape 10, escale en Gordanie, Revel. 197 km. Une étape, je dirais plus pour les punchers quand même. On découvre ensemble l'état de forme des coureurs et les objectifs. Conserver le maillot jaune, conserver le maillot vert. Prendre l'échappée du jour, c'est pour Kirienka. Et conserver le maillot à poids. Alors que moi, j'avais l'intention quand même de partir aujourd'hui avec Kwiatkowski. Bonjour à tous. Même si la présence du port d'Envalira dès le départ devrait mettre à mal la plupart des sprinteurs, on imagine que leurs équipes feront tout pour provoquer un regroupement général en vue d'une arrivée massive dans les rues de Revel, le reste de l'étape étant sans difficulté. Allez, on va prendre l'échappée directement. On va d'abord protéger tout le monde. Hein. Enao va nous protéger. Froome. Voilà, on espère que Viviani arrivera à passer déjà la première difficulté. Ça sent l'étape de transition, les gars. Pour le général, laissez personne de dangereux sortir. On sait, merci. Allez, on va partir. À qui on va pouvoir prendre? Allez, on espère que ça va passer. On est parti pour l'échappée matinale. Avec Kwiatkowski en état de forme moyen. Maintenant, en tête du peloton. Ulissi. Ulissi, attrapé pour dopage, mais encore dans le peloton. Mais la pente est régulière. Cependant, il faudra quand même être un minimum graveur pour sortir du peloton et se glisser dans l'échappée matinale. Barta, Taramae, Lars Boom. On lui colle souvent une étiquette de puncher, mais il passe néanmoins très bien la montagne et il possède aussi une très bonne pointe de vitesse. Voilà l'échappée qui se dessine. 1 minute 15, le peloton va pas bouger. Et si ça termine comme ça, ben à mon avis, ça m'étonnerait que quelqu'un vienne décrocher pilote, la victoire si est dans un mauvais devant jour, Kwiatkowski il pourra jouer sa carte personnelle. Au sprint. Le port d'Envalira culmine à 2409 mètres, ce qui en fait le col. Allez, c'est bien parti pour une nouvelle victoire qui se profile à l'horizon. Et protection donc des favoris, enfin du favori Christopher Froome. Capable de faire la différence sur chaque accélération. On va faire le sprint intermédiaire. Et juste passer le col pour prendre quelques points si Ulissi veut bien. On se rejoint un peu plus tard dans l'étape. Sa meilleure chance de victoire, les 6 premiers coureurs au sommet empocheront des points pour le classement du Grand Prix de la Montagne. Et il y aura kilomètres. 10, 8, 6, 4, 2 et 1 point à marquer. On les a laissés mener et on va essayer quand même de prendre. Lars Boom attaque. Pour le meilleur puncher du groupe, tu devrais arriver à passer en tête. Ok, ça c'est bon, on va pas trop sniquer. 1 km. Lars Boom qui attaque l'enfoiré. On revient sur lui. Le parcours est pas vraiment favorable à une échappée en solitaire. Tu devrais peut-être attendre le compte pour unir vos forces. Ouais, wow, ici il a failli passer devant. Allez, un petit coup, c'est bon. Ok, pour les points aujourd'hui. Attention, tu vas pas pouvoir attaquer encore très longtemps. Et on va faire la descente en totale récupération. C'est bien, t'as remporté le dernier grimpeur. Ça évite que nos concurrents ne prennent. Allez, on arrive au sprint intermédiaire qu'on va remporter avec Kwiatkowski. T'es le meilleur sprinter de l'échappée. Je vais arriver à remporter le sprint intermédiaire. Et on a Amanda qui a rien qu'à te protéger. Viviani pour le sprint. Sa meilleure chance de victoire, c'est de tenter une échappée de loin. Alors, on va repérer un petit peu les lieux avant. On va voir Viviani, ça tourne pas, c'est tout droit, si, un petit peu. Pilote, mais si son sprinter est dans un mauvais jour, il pourra jouer sa carte personnelle. Allez les gars, t'as remporté le sprint intermédiaire, bien joué.
Allez, on va voir Viviani maintenant tout de suite. Bravo, t'as remporté le sprint intermédiaire. Ça fait des points en moins pour nos concurrents. Le peloton roule fort, restez bien placés. Allez, on est concentré. 2 km 7. Avec rien qu'à faire lancer là, qu'est-ce que tu fais? Anderson, on va profiter d'Anderson. Et c'est parti, Bonny qui balance de très très loin. Allez, là on est bien. Viviani qui passe devant Cavendish. Et pour une fois, on a réussi à utiliser le R1 à bon escient. J'étais au taquet R1 en fait. Et voilà. On se retrouve pour la fin de l'étape en espérant que l'échappée aille au bout, mais ça m'étonnerait vu à l'allure du peloton. Ben voilà, Thomas De Gendt qui vient remettre les pendules à l'heure. Ça roule fort. Les équipiers se sont placés en tête de peloton. Ils vont sûrement gérer l'écart pour finir au sprint. Premier ravitaillement. Peut-être pas de Froome ni de Viviani tout de suite. Voilà. Ouh, on est paré pour la fin. Allez, la banderole 10 km, c'est parti. Ok. Je vais le protéger. 1 km. 1 minute avec le peloton d'avance. Comme détendu. Hein. Allez, il faut essayer de terminer cette étape. Une étape de plaine. Finir avec l'échappée matinale serait beau. Vous êtes à 2 km du grimpeur. Nous sommes au pied de la côte. Les sprinteurs arriveront-ils à rester aux avant-postes pour disputer ensuite le sprint final? Ah, c'est beau. Attaquer encore très longtemps. Prendre du rouge. Il y aura 2 et 1 point pour le classement de la montagne, mais cela reste anecdotique. Les coureurs seront certainement plus intéressés par une victoire d'étape. On va lui demander de suivre les attaques. On va essayer de marquer quelques points pour le maillot vert aussi pour Viviani, mais d'abord on va essayer de gagner l'étape. D'accord, je suis les attaques. Allez, Ulissi, il est là. Ça descend un peu. Attention, quelque part. Il essaie de partir en contre. Une mini descente. C'est bien. T'as remporté le dernier grimpeur. Ça évite que nos concurrents ne prennent trop de points. Allez, 5 km. Après 2 km de descente, bon, il y aura 3 km de plat pour rejoindre l'arrivée. Prendre tout le bleu. 1 minute 3 d'avant, je crois que c'est bon hein, là. Il est ok, on va prendre Viviani. Donc je pense que la victoire est acquise. C'est chaud quand même le final. On prend Viviani, Viviani 21, donc ça va, il est à l'avant du peloton. C'est bon. Il faut revenir se placer là. Échappé sur la flamme rouge, t'as déjà gagné. Je sais pas si je prends assez de rouge. Allez. Ah, il m'a bloqué cet enculé. Qui pèle. Ils vont trop vite, hein. Ils vont trop vite. Allez, 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 allez. Ah, dommage. Il est tout sourire au moment de monter sur le podium. Applaudissez-le. Voici le vainqueur de l'étape, Escadre Gordani, Revel. Tchaïkovski.
Victor. Il est dans une forme étincelante et vous, il joue les tout premiers rôles cette année. Voici le maillot vert. On peut dire que le tour se passe idéallement pour lui. Et les poids. Voici le maillot. On enregistre ça tout de suite. Kwiatkowski, Christophe Degenkolb-Kittel, Viviani qui fait une 8e place. Voilà pour le sprint du peloton. Alors, Froome au classement, rien ne change. Alors, classement de la montagne, il n'y a que 8 petits points entre Kelderman et Nieve. Viviani, 210, ça va. Et Kwiatkowski au niveau de la combativité qui est devant. Donc, fin de cette étape, vous avez gagné l'étape plus 1. Récupération. Kwiatkowski qui a récupéré, on va le mettre dans le peloton. C'est parfait. Voilà, on se retrouve pour l'étape 11 au sprint, à mon avis, encore une fois, entre Carcassonne et Montpellier. À tout de suite. Salut à tous, c'est Bord 1348. On se retrouve pour l'étape numéro 11 entre Carcassonne et on arrive à Montpellier. 162 km, une étape pour les sprinteurs, pour Viviani. Kittel, Greipel et Cavendish, les favoris de l'étape. Alors, on découvre l'état de forme des coureurs. On a le maillot jaune. On ne veut pas imposer le tempo, alors on va prendre Kirienka. Mesdames et messieurs, bonjour. Les arrivées à Montpellier nous ont souvent habitués à des sprints massifs. Aujourd'hui, compte tenu du profil, il n'y a pas de raison que ça change, même si, bien sûr, des baroudeurs tenteront leur chance. Et dans les objectifs de l'étape, Kwiatkowski devait terminer dans les 15 premiers, donc ça veut dire que ça va peut-être être une étape où ça finit en léger plat montant, en faux plat montant. Et c'est-à-dire que c'est plus un puncher qui pourrait l'emporter. Ça sent l'étape de transition, les gars. Au général, laissez personne de dangereux sortir. Alors, on va protéger tout le monde. Et là, on va protéger Froome. Et Pulse. Non, pas Pulse, Lambda. Non plus. Oh, qui je peux prendre? Nieve, vas-y. Protège Viviani. Voilà. On va partir. Ok. Je vais le protéger. Juste pour pas devoir. Ça relance derrière. Juste pour pas devoir mener le peloton. Donc on met un gars. Point d'avance pour le maillot à poids. On ne peut plus le perdre aujourd'hui. Continuez comme ça. Alors ça creuse légèrement. Voilà, donc on met Kirienka dans l'échappée. On fait un petit aperçu au niveau du sprint intermédiaire et puis on fait le final. Et le final, ouais, il y a une boue. C'est le final ça? Ouais, il y a une grosse bosse juste avant. Là, il y a moyen que le rouge serve à quelque chose. On va peut-être utiliser Viviani. Kwiatkowski, mais il risque de prendre le maillot vert. Ça continue. Allez, nous, on venait dans ce groupe et on se retrouve pour le sprint intermédiaire. Intermédiaire, on va leur voler la prime alors que je roule pas. Et oui. T'as remporté le sprint intermédiaire. Bien joué. Et maintenant, on va se faire... On va faire attention... Il n'y a pas beaucoup de points à prendre. Ça roule quand même vite. Les équipiers accélèrent. Et sûrement pour préparer le sprint intermédiaire. L'échappée accélère le rythme en tête de course. Elle ne compte pas se laisser rattraper comme ça. Ah putain, je crois.
Attention, tu vas pas pouvoir attaquer encore très longtemps. Voilà, ben, décidément, des amis. Il prendra même pas de points. Ah, si, un point pour les amis. Donc, ce sprint, encore une fois. Allez, on se retrouve au final. Et on va essayer. Soit avec Katiowski, soit avec Viviani. A tout de suite. Les équipiers se sont placés en tête de peloton. Ils vont sûrement gérer l'écart pour finir au sprint. Ça va. Me ravitaille. On va prendre Katkowski à mon avis, hein, parce que l'autre naze là, il a l'air cramé déjà. Il y a Katkowski aussi en fait. Secondes d'avance pour la tête de course. Dix kilomètres de l'arrivée pour la tête, ça va être compliqué. Allez, les 10 derniers kilomètres. On va tenter le coup avec Katiowski. On demanderait bien à Viviani de prendre son ravitaillement bleu. Froome son ravitaillement bleu. Pulse. Voilà. Alors, plus de ravitaillement à donner pour les autres. Alors, soit on se la joue avec Katkowski. Allez, cassez-vous. Qu'est-ce que Froome fout là? Il va d'avoir mal. R2, j'essaie de reprendre le carrage par ici. 6 km. D'accord, je suis. Un rappel à air chaud. Hein. Par contre, ils se retrouvent vite fort devant tous ces mecs-là. Qu'est-ce que c'est que ça? Je dois gagner pour assurer le maillot vert. Moi, je pars avec eux, hein. Avec Katkowski. Plus que 5 km. On se dirige vers un sprint massif. Je sais pas ce qu'ils ont fait, comment ça se fait que tous les leaders sont retrouvés devant. Il est en train de se faire décramponner. C'est une bonne nouvelle pour le général. C'est magnifique, c'est un Contador qui se fait décramponner. Espérons que ce soit comptabilisé, que ils finissent pas tous dans la même seconde. On va voir mes gars, ils sont où? Froome est bien. Tu vas prendre ton ravitaillement de rouge. Ok. Moi je suis bien, on va vite prendre du rouge. C'est bon. On va encore remporter une victoire avec Katkowski. Solitaire à laquelle nous devrions assister aujourd'hui. Il n'arrête pas. Oui. Ah, Viviani, il est lâché. Il y a qui dans tout ça, ouais. Non, ça servait à rien, mais tant pis. Mesdames et messieurs, accueillez-le chaleureusement. Voici le vainqueur de l'étape, Carcassonne, Montpellier.
Encore une. Il assume, il va monter sur le podium pour recevoir son maillot. Maillot jaune. Il est dans une forme étincelante et vous pouvez l'applaudir bien fort. Voici le maillot vert de ce Tour de France. Ouais. Il joue les tout premiers rôles cette année. Voici le maillot à pois de... Fin de l'étape 11, Carcassonne-Montpellier. Les résultats avec une victoire de Kwiatkowski, encore une. Kittel, Matthews, Brian Coquard, troisième. Alors, il parlait de Contador. Ah, mais il est là, 42e. Je pensais qu'il avait perdu du temps, mais non, tout le monde est dans le même temps. Donc, ce qui fait qu'au classement général, rien ne change. Maillot à pois non plus et maillot vert. Kwiatkowski qui fait un bond de 5 places. Et Coquard est troisième devant Démare. Et 211 points pour Viviani. Ok. Vous avez gagné l'étape. Récupération. Ouais, c'est presque ça, mais... Ça a l'air quand même pas mal. Juste avant l'étape qui nous attend. Et voilà, c'est celle-là. Montpellier-Mont Ventoux. La mythique ascension du Mont Ventoux. Qui va faire mal. Et j'espère que Froome sera dans un état de forme irréprochable. Sinon, on va encore y laisser des plumes. Allez, on se retrouve pour cette étape. Montpellier-Mont Ventoux. A tout de suite. Ciao.